Par contre, les gars, j'ai un truc à vous avouer. Je ne sais plus comment est-ce qu'on joue à ce jeu. Voilà. Bon, je pense que ça, c'est pas une mauvaise rotation face à First Pick Shizuka. Cassandra Feu. Je vais Vachel, Sadraf, elle est vite comme l'air, non? Vous en pensez quoi, vous, la Teams? Ban Vachel. On prend encore là. Diana? Ok. En fait, je vous explique, la Federica, ça va être un trade kill. Genre, je vais tuer le Léo, puis derrière, j'ai les trois autres, quoi. Là, je fais juste, tu sais, genre, skill 1. Skill 2. Et puis voilà, il se passe quoi maintenant? Il se passe quoi? Je mets pas de stun, je fais rien moi. Genre. Là, je mets juste un coup de tête là. Et voilà. Bon, il m'a mis le stun. Ah, par contre, c'est la pire target hein, sur le coup. Alors, il faut. En fait, il est bête, il doit aller cesser ça depuis le début, c'est Gianna, mais heureusement qu'il a le proc violent pour le sauver. De ce misplay. Ah, ma Diana fait pas beaucoup de dégâts, il y a une réduction de vent dessus. Ce stun est énorme, hein. Wow. Stun une Shizuka, à ma vie, sa Shizuka, alors en HP, t'as vu comment elle est tanky. N'oublie pas qu'elle proc, ça peut être chiant si elle proc. Là, normalement, on devrait pouvoir la stun. Ah non, pas pour la stun, j'ai rien dit. J'ai vraiment envie de mettre une bombe. Le problème, c'est que je vais la clean, ça marchera pas. Ah, j'ai juste skill 1, hein. Je vais pas mettre de bombe. Hein. Oh, son Léo il met des claques, hein. Faut qu'on tue ça, quoi. Bon, heureusement qu'il arrive à sonner à chaque fois mon mob, hein. Passe mytho. Waouh. Bon, elle peut plus gagner, mais bon, c'est pas grave. Oh, il a réussi à. What? Vous avez vu ce qu'il a réussi à faire? Un exploit. What the fuck? Les gars, le mec, c'est un dieu, hein. Je vous jure, hein, il est trop fort. Trop trop fort, hein, le man là. Pour le stun d'Esper, il m'a stun je pense 3 fois d'Esper à un moment là. What the fuck? Vas-y le shield. Shield. Shield up. Fait une semaine que j'ai pu jouer RTA les gars. Voilà pour ceux qui savent pas. Bon, le H hein, et gang. Hey, j'ai envie de jouer Pra aussi mais Pra ça fait double O, ça va pas. Du coup si on peut pas prendre un mob O, on prend un mob feu. On a quoi mon feu de bien là? Juno? Vas-y on prend Juno. Pour Juno, est-ce que je peux prendre Ragdoll si jamais? Il a pris double reset. La Juno est trop forte là, ici. Je prends Ragdoll, non? Ragdoll c'est broken ici aussi. Les gars, je fais ça, hein. Je prends juste de la sucée en fait. En fait, je cherche un autre mob qui peut pas se faire cesser. Ah! Chaud peut-être? Ouais. Il banne la Juno ici, on le sait. Quoi? Il me laisse la Juno. Ok, bon Juno solo du coup. Bah il a de la sucée quand même, mais on en a vraiment plus que lui sur le coup. Je sais pas ce que je vais focus en premier, je crois que je suis sur le... Alors ça dépend si l'Oliver est en tout crit, je vais sur l'Oliver, sinon je vais sur le Okanos. Il a pas d'être en tout crit, vas-y je vais là-dessus moi. Bonne ça. En vrai je vais le break def parce que je vais lui mettre une tournure avec Ragdoll du coup. Je vais rendre encore des CD. Et je proc tous les tours avec mon mob. Mes mobs ont décidé de proc tous les tours les gars. Incroyable ça. Ok, il me donne de la TB for free.
Bah, on raid ça, hein. Bon, bah... Ok, dude. Bon, il avait pas assez de dégâts, sa compo. Vas-y, je vais faire Pixchandra. Je sais pas si ce mec est pas un peu trop passif. Il a raison de ban le Ragdoll ici. C'est le ban. Bah, du coup, le T1, je lui donne. Je lui donne le T1 ici. Je reset le Oliver et j'ai le T2 et je gagne au T2. Donc là, il va sur Morgiana. Oh, il est rapide avec son Oliver. What the fuck? Son Oliver joue avant son Wegang, les gars. Incroyable. Oh, il l'a raté. Là, il rejoue avant carrément. Son Oliver est tellement rapide. What the fuck? J'aurais bien aimé qu'il me stun Morgiana parce que, en fait, ça donne de la sustain. On va aller là-dessus, je pense. Je vais mettre la bombe là et je sonne tout. Oh, j'ai pas eu là. Pas grave, je vais pouvoir taunt. On met une tourniole. Voilà, pas tué. Bon, je sonne, c'est bon, c'est fine. Oh non, il y a son skill. Quel lapin. On va mettre une bombe là. Je pense que je vais la site. Ça et on a gagné. Ah frérot, enfin. Le truc c'est que. Et gang c'est bien contre Janna, mais quand je pars sur un gameplay bruiser, en fait, et gang ça fait du vide. Son mob ça va à rien en fait. Bon, là, tu vois, déjà il était pas speedtuné. Entre Egang et Oliver, ça c'est déjà cringe, donc je pense qu'il va aller revoir son bridge. Contre Janna, tu peux pas jouer Egang contre le mec par bruiser. Là, il aurait dû prendre genre une Sonia. Une Sonia était vachement mieux, je pense. Ah, lui, on n'aime pas l'affronter. Hein. Oh, on est en jeu de tous les deux. Incroyable. Il vole sa draft. Franchement, lui, mon péché mignon, c'est juste de lui piquer sa draft à chaque fois. Oh là là là. La semé va être broken ici. Et en late speech, je crois quoi. Plutôt Vanessa. Moi, j'aime bien Vanessa parce que c'est des cours. On va ban le show, évidemment. Ok. Bon, on a notre stripper. J'ai pris le VRDE en fait qui est en wheel pour avoir triple en 100 raise. Le 100 raise uniquement pour le Chandra. Voilà qui est certainement en VO. Du coup avec 30 d'AQ. Alors. On va là-dessus pour réduire ATB ce clin, je pense. Oh, j'ai mis crit. Incroyable. Oh, regardez qu'il revenge pas. Ah, regardez qu'il revenge. Ah, tu vois, il a envie, je vous l'avais dit. Par contre, il coigne son truc là. What the fuck? Ah, la Vanessa, elle prend cher. Ma Vanessa, vous la connaissez, elle est vraiment tanky. Elle prend quand même assez cher sur le coup. Ah, oh, nice stun. Je peux pas heal, ce qui m'a pas reset, par contre, ça c'est big. Wow, il tente tout, hein. Il sait que, en fait, il a raison, il sait que ça, c'est mort, c'est gagné. Sandrez. Mauvais proc, ça. Hein. On n'aime pas. Oh, j'ai double glen sur le revenge, sérieux. Voilà, ça dégage. À partir de là, on est supposé être pas trop mal, hein. Il a plus de dégâts. On va mettre un slow là, si possible. Je pense que je vais accepter de me prendre le revenge ici, juste pour booster TB toute ma team, je pense que c'est plus important. Sous le palier là, ça arrête de se retransformer.
Oh, mon ami, le solo, c'est big. Ce solo-là est vraiment big. Elverdi qui s'affole, qui revenge, tranquille. Salut manipulé, ça va? Très bien. Continue à taper là, hein, je m'en fous. Hein. Le cycling est tellement important. Je proc tous les tours, les gars. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Hein. Contre lui, c'est tout le temps comme ça. Il y en a nous deux qui proc tous les tours et c'est tout le temps... C'est qui proc le plus qui gagne. J'aurais pu heal à nouveau, mais je préfère tuer. En fait, si Chandra meurt, c'est gagné. Il l'aura toujours pas tué, hein. Je reproc. Il l'a toujours pas tué, ma Vanessa. Ah, ma Vanessa. Ah, comme ça, il a tellement perdu de points, what the fuck. On est retourné G3, c'est bien. Bon, là, on va tomber contre des vrais G3 maintenant, du coup, ça va être plus compliqué. Allez, je fais un Spik Sagar. Ah, je vous ai dit, on va tomber contre des vrais G3 maintenant. La vérité, hein. En G3, le first pick, c'est Syrah. Bon, la Jadin va être pas mal ici. Et chaud, non? Est-ce que Shaw peut faire quelque chose ici? Oh, peut-être pas. Hein. Je fais ça, je banne l'As ou je banne la Véronica. Oh, il me outspeed. Oh, il joue... bon, en gros, il joue sur le triple revenge verdé. Il va... En gros, là, il me banne Shir, je pense. Là, il me banne la Janna. Là, il me banne la Janna, les gars, c'est sûr, s'il fait ça. Du coup, je fais ça, je outspeed et je clique CC, non? Finalement, on a gagné ici. Enfin, sauf si le robot se derp. Oh, c'est ce qui arrive souvent, mais... Et on va aller dismount ça le plus vite possible. Je vais aller reset ça. Il faut avoir les taunts ici à gauche. Ah. J'ai eu le reset, rassure-moi. Je crois que je vais aller tuer la Syrah là maintenant quand même. Ça va tomber. On sort ce reset. On n'a pas eu le taunt, mais c'est pas grave. Normalement, il peut plus gérer les chiens là. On peut tenter un taunt là. Pour la réussir, c'est encore mieux. Ah, il joue Vanessa. Lui aussi, il a une Vanessa qui rate ses break def à l'open ou pas? Ma Vanessa, elle doit avoir 10% de pause de break def depuis le début de. Depuis 2 semaines. Max. Je partirai dessus. Hein. Oh merde, j'aurais dû partir sur Moore. Je sais pas si c'est mieux de prendre Triana maintenant ou prendre Léo, la vérité. Il va jouer Smicer ou pas? Smicer, machin. Mio, what the fuck? Ouais, il se fout de ma gueule. What the fuck? Pourquoi il joue Mio ici? Je comprends pas. Ok, bien joué de sa part en vrai. C'est quoi, j'aurais dû ban Lightning? Non, même tu pas. Et je rejoue avant. C'est assez lucky, hein. Pas le cacher. Ok, bon.
J'absorbe la TB, les gars, je vais l'app. Hey, j'ai pas de tout crit mon mob. La vérité, j'ai pas de tout crit. Il doit avoir 113, hein. Je pense que je les touche pas. Je vais lui donner de la TP pour rien. Je vais le lap encore une fois. Protego. C'est du Sun Despair. Je peux commencer à le taper un peu en vrai, la vérité. Toi, t'as pas de tocrit. Voilà. La Mio, elle était tellement flopesque. Bon, mais le break d'effet, les mains posées, magnifique. C'est moi qui provoque ça cette fois-ci. Juste prendre des mobs qui peuvent se faire one shot par ce mob. Hein. Voilà. Il va prendre son machin. Voilà, bah, je vais une Vanessa. Bah, Léo reste bien et sinon. Sa compo, je lui sale, gars. On bat le last. Je mets deux strippers. Les deux anti-Sonia à lag marron. Le seul problème. L'unique problème. C'est que il y a silence sur Pontos. Mais bon, ces deux trucs-là sont tellement rapides qu'ils vont jouer avant le Pontos. Le Pontos joue dernier. Moi, je fais juste un ban d'aspect draft réussi. Je pense que la Mio ici est un peu gênante quand même. Parce que s'il ban le Moore. J'ai peu de mobs pour gérer la Mio. Ah bah finalement, il me le laissait. Bon, si le mec a vraiment beaucoup de runes et il réussit à faire jouer son Pontos avant le reste, ça m'étonnerait, hein. Ce serait incroyable. Il force Mio to the game, lui. Ah, il a sa mise en RT, hein. Enfin, en tout cas, essayez. Ah, des rares mecs qui essayent sa mise en RT, hein. C'est incroyable. Aïe. Oh, je vais taper ce class en Nemesis. Non? Ah, il est pas en M. My bad. Bah écoutez, je vais juste taper ça du coup. Oh, 113. Pontos va d'AQ. Amour. Il a récupéré son passif. Je sens que le break d'affaire là-dessus ou pas? Tenter, réussir. Et hop ça. Ah, par contre, dans Pontos, c'est une machine à proc. Il proc absolument tous les tours. Tellement squishy. Ah, il a raison, hein. Il l'a foiré, mais il avait raison.